Donc là, vous êtes sérieux? Je dois faire une vidéo pour parler de choses aussi basiques? Alors, je t'explique, j'étais tranquillement chez moi en train de chercher le respect. Parce que depuis la venue de TikTok, le respect, il fait ramadan. Bref, t'as Amnesty International qui m'appelle et qui me fait: ouais, Abdel, on a fait un sondage et voilà, ça va pas. Ouais, ils ont un siège à Bruxelles, donc ils parlent arabe. Et là, je dis, mais comment ça, ça va pas? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, on a fait un sondage sur des jeunes concernant le consentement et les viols, et c'est catastrophique! Et effectivement, c'est vraiment catastrophique! Selon ce sondage, hein, une chose qui pourrait expliquer que t'as des mecs qui commettent des agressions sexuelles, c'est parce que Muskin, il a des pulsions et des besoins, et que c'est pas vraiment de sa faute! Donc un mec qui commet un acte pareil, en vrai, c'est pas vraiment de sa faute, c'est de la faute de ses hormones. Mais en fait, ça va pas! Or, c'est pas du tout ça. Hein. Généralement, un viol est souvent prémédité. Ça, ce n'est pas le résultat d'une pulsion. Et le pire, c'est que 38% des hommes sondés pensent ça. Starfallah, starfallah. Attends, c'est pas fini. Selon ce sondage, 16% pensent que si une femme se fait violer, c'est parce qu'elle était habillée d'une certaine manière. Donc, t'en as quand ils voient une femme habillée en mini-jupe, pour eux, c'est un appel. Et que donc, elle a un peu cherché quand même. C'est comme si toi, tu roules en voiture, t'as un arbre qui tombe sur ton pare-brise et que ton assureur te dit: ah, vous l'avez un peu cherché, vous avez roulé dans une forêt. Je vais un peu me calmer pour pouvoir terminer cette vidéo. Selon ce sondage, un quart des jeunes pensent que quand une fille dit non, en vrai, ça veut dire oui. Donc eux, quand tu leur dis non, ils entendent oui, oui. Alors, je savais qu'il y avait les daltoniens qui ne savaient pas faire la différence entre certaines couleurs. Bah maintenant, j'apprends qu'on a des merdias qui ne savent pas faire la différence entre certaines lettres. Quelle indignité. Je suis désolé, c'est pas encore fini. Un homme sur cinq interrogé estime que les femmes aiment être forcées et que la violence, ça leur plaît. J'aimerais dire à ces mecs qui visiblement ont trop regardé 50 nuances degrés, ça, c'est un film. Donc, ce que tu vois au cinéma ou chez toi à 3h du matin quand tout le monde dort, ce n'est pas la vraie vie. Et pour ceux qui vont me dire: oui, mais si des femmes se font violer, c'est aussi parce qu'elles sortent tard la nuit et que c'est dangereux. Et alors, on va couper court directement. Il ne faut pas protéger les filles. Il faut éduquer les garçons. Et on voit bien que ce sondage nous montre à quel point il y a encore du travail à faire. Donc, on va résumer. Quand je dis oui. Tout le reste, c'est non. S'il y a une hésitation, un doute, machin chouette, c'est non. N'oubliez pas de partager cette vidéo pour sensibiliser un maximum de monde. Et contactez Amnesty International pour des informations supplémentaires.